Et oui, je suis toute seule. Moi et Sarah ne sont pas disposées à faire l'émission. Vous aurez enfin la chance d'avoir du contenu intelligent. Oh, j'ai tellement hâte de pouvoir commencer à vous instruire. Bande de petits incultes. Comment? La théorie du Big Bang. La Terre n'existait pas il y a plusieurs millions d'années. Oh, le son, mais ta gueule! Ta gueule! Mais non, ce n'est pas pour tout de suite que la chaîne RR a du contenu super intelligent à vous donner. On peut espérer. D'ici le 21 décembre 2012, on peut espérer. La capsule sur la fin du monde, c'était le mois passé, Sarah. C'est fini, il y en a plus. Tourne la page. Bref. Donc, ça va être une émission super le fun. Alors, attachez vos bas avec de la crème arrosée parce que ça va décoller. C'était
c'était pas mal ça. Je peux-tu venir m'asseoir à votre table? Ah ouais, ben oui! Tu vas trouver une bûche, ma grande! Ah ouais, je vais aller me trouver une bûche. Ouais. Je me suis tiré une bûche. En plus, c'est toute fraîche. C'est une vraie bûche. T'as rien à couper moi-même. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire. Faudrait s'y mettre tout de suite. Ouais, parce que vraiment, là, on a énormément crissement du pain sur la planche. Quel pain? Quelle planche? Oh mon Dieu, je t'ai fait bien! Oh, qu'est-ce que je fais? Mais la tâche statique d'aujourd'hui! Mais j'ai pas de sucre. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de sucre! Je peux pas l'attacher! Je peux pas l'attacher! J'ai pas de sucre! J'ai pas de sucre! Qu'est-ce que je fais? Non, je te le dis, là, c'était tellement gros, là! C'était vraiment genre. Énorme! Hey, là, niaise-moi pas, là, prends-moi pas pour une valise. J'avais pas l'intention de partir en voyage. Pourquoi quand on baille, on met notre main devant notre bouche après le baillement? Hypothèse. Le temps que notre cerveau assimile l'information, il est trop tard pour notre main de se rendre à notre bouche. Non! Dans le fond, c'est parce qu'on est trop paresseux pour mettre notre main dans notre bouche pour la cacher. Hey! Ça veut dire que quand tu baillais, si tu mettais la main dans ta bouche avant de bailler, là, tu perdais au moins 5 calories. Pourquoi les enseignants et les professeurs, quand ils sortent leur livre de leur sac ou leur dictionnaire, font-ils qu'ils fassent mais genre abusivement? Hypothèse, c'est pour réveiller les élèves endormis. Non! Dans le fond, là, c'est juste un simple pari que les professeurs se font pour savoir le bruit d'entre lesquels des professeurs vont se rendre le plus loin des classes. Voilà! Avoue que tu l'as entendu jusque dans ta classe, là. On avait dit qu'on avait pas le droit de les jeter à terre. Hey, je l'ai pas jeté à terre, je l'ai échappé. Nuance. Oh, les petites crises de professeur de français à marde avec le reste du monde nuance à marde qui sont bien placés à marde. Oh! Chorus! Pourquoi lorsqu'il y a plein de suffrages d'écrits sur un écriteau, les gens se sentent dans l'obligation d'y toucher pour vérifier? Hypothèse, l'interdit attire toujours. Non! On est juste un peu trop calme pour aller toucher. J'aimerais tellement se la toucher. Juste le simple fait de savoir, de vérifier qu'elle soit fraîche ou pas. Oh non! Mon dos est tout plat! Oh non! Oh, je suis gamin! Non! Pourquoi dans les autobus, les gens s'éloignent les uns des autres? Nous devrions tous nous aimer. Hypothèse, c'est pour garder une distance convenable entre chaque individu. Non! T'en penses parce que juste la personne vient de se lâcher. Bon, on va perdre. C'est pas moi qui t'ai fait. Hein, tu lis dans mes pensées? Ben non, tu sais pas où ça semble. Que puis-je faire pour vous? Quoi? Que puis-je faire pour vous? Voyons. Ben là, docteur, là, c'est parce que je suis venue dans votre consulte, là! Parce que j'ai des problèmes auditifs! Mais je suis pas docteur! Quoi? Je suis pas docteur! Quoi? Je suis psychologue! C'est quoi? Quoi?
psychologue pour la chaîne R. Quoi? Et sourd. Quoi? Ça, j'en blé. C'est dur comme métier. J'arrive à voir. C'est dur comme métier. C'est du blé. Quoi? Bon, ouais, c'est ça. Hey, pis c'est... C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Hey, ça commence à être long, là. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment... Ouais, faut vraiment le voir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas pensé, j'ai vraiment pas pensé. Mais on a acheté du papier de toilette ultra résistant. Je suis pas capable de le couper! Qu'est-ce que tu fais? Mais j'essaie de trouver une nouvelle idée pour nos sketchs, là. Oh! Mais tu pourrais écrire de quoi sur la mère et la petite fille? Ouais. C'est une bonne idée? Ouais, ce serait une bonne idée. Tu sais, la petite fille, elle pourrait demander à sa mère: hé, hey, maman, c'est quoi une tornade? Ouais. Ouais. Puis la mère, elle pourrait répondre. Elle pourrait répondre: ouais, ben t'as juste à bouffer du laxatif puis tu vas en avoir une lèvre dans les toilettes. Comment dire à votre ami quelle a la fraîcheur campagnarde du gros bétail en rue? Comment dire à vos amis que vous êtes à votre SPM? J'ai vos carnets éruption. Oh! Captain Jack! Je fais du ketchup! Un vampire vous pousse en propos qui tire dans ma grotte! Les Indiens reviennent de la chasse! Je vais être sur le fond de mes culottes! Il y a du colorant dans mes chemises également! Il y a un meurtrier! Chez vous? Docteur Clown est chez moi! Docteur Clown? Docteur Clown, là. Ouais. On se rappelle, ok? Ok, c'est bon, je l'appelle. Ouais. Et le choix du public a été... Docteur Clown est chez nous! Ouais, mais j'en ai vraiment un meilleur! Groupe Calinette pour un travail sans retouche! Bouche mieux que les tampons! Bon, pour finir notre show, on attend pas Rose? Ben, non, elle a dit qu'elle avait des choses à faire tantôt.
Ouais. Ah, ok. Pas de ça? Ouais, elle l'a sûrement dit. Là, ouais. Je sais pas.